Good morning, allez, Idan et Sisra, aujourd'hui le Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Dan Miriam Batelisa Saek, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine vie de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Seret Souka, Père Gimel, Mishnah Vav. Alta Chazazit al Rubo, Nitla Pitmato, Niklaf, Nisdak, Nikav, Vechaser, Kolcheu, Pasoul. Alta Chazazit al Mi'uto, Nital Uktso, Nikav, Velo Chaser, Kolcheu. Kacher, et toi, Gakushi Pasoul, va Yarok Kekarti, Rabbi Meir Marchir, Rabbi Yehuda Possel. On continue avec les halachot du Etrog. Comment, quel Etrog le valider? Maintenant, on va s'intéresser à son allure. Et la Mishnah met en scène d'abord. Alta Chazazit al Rubo. Je traduis Chazazit, ça veut dire que c'est une sorte de verrue pour un homme. Et il y a. Concrètement, on ne sait pas exactement ce que c'est en fait Chazazit. Vous savez que quand vous regardez un trog, vous allez voir qu'il y a souvent des traces de blanches comme ça, une petite pellicule blanche. Ça s'appelle en yiddish, dans la raïe, ils disent toujours, ça s'appelle des blätter. C'est lié au, je ne sais pas comment ça se forme, mais c'est à cause des feuilles de l'étrog, du cédratier, je ne sais pas comment ça se dit, du cédra, de l'arbre, qui a, je ne sais pas exactement comment ils ont été en contact pendant que ça a poussé, et ça fait ces traces blanches. Et cette petite peau aussi, mais ça, c'est pas invalidé. Là, on parle d'une chazazit que c'est quelque chose qui se ressent, que ça monte en relief, une sorte de maladie de peau, d'étrogime. Alors, la Mishnah me dit, si cette chazazit, ça couvre la majorité du étrog, c'est-à-dire que la majorité, que donc comment dire, la circonférence, le tour du étrog, et là, la majorité, elle a déjà. Ça couvre donc ça couvre la majorité du périmètre. Alors, c'est invalidé. De même, Nitla Pitmato, la pointe du étrog. Attention, il y a la queue et la pointe. On parle que la pointe, elle est tombée du étrog. C'est aussi invalidé. Niklaf, il a été épluché. Alors là, c'est intéressant. C'est quoi que ça a été épluché dans l'étrog? Il y a trois épaisseurs au moins. À part ce qu'on appelle le cheder azera, là-bas où il y a la pulpe, il y a au-dessus une grosse pellicule blanche. Au-dessus, il y a une pellicule jaune. Et au-dessus, il y a une pellicule jaune plus épaisse avec une sorte de vernis. D'accord? La Mishnah, elle me dit, tu sais, si tu l'as épluché, donc tu lui as retiré une pellicule, le étrog, il est devenu invalidé. Si ça a été sur la majorité. Alors, dans 30 secondes, on va parler sur ça. D'abord, premièrement, la Mishnah me dit, si d'abord tu es parti trop profond, tu as touché au blanc, alors là ton étrog il est chasser, il est manquant. J'avais dit prendre un étrog et pas 99% de l'étrog. Tu l'enlèves un bout de la chair blanche, il est manquant, il est invalidé de toute façon. Mais même mieux que ça, si tu ne lui as pas enlevé toute la. T'as pas encore, c'est juste sur la pellicule jaune, donc tu regardes ton étrog, il est jaune. Seulement il lui manque le vernis. Il y en a même aussi qui ajoutent le vernis et même la petite pellicule en dessous qui est un peu plus jaune. C'est avec ton étrog, pour le moment, il est jaune. Alors la Mishnah me dit que c'est pas soul. Sur ça, il y a deux avis dans le Barthénora, hein. Un le contraire de l'autre. Un qui me dit, tu sais, c'est que quand tu l'as fait dans certains endroits, mais si tu l'as fait partout, alors le étrog est redevenu uniforme et c'est cachère. Il y en a un autre qui va dire le contraire, justement. Que si tu l'as fait partout, c'est devenu invalidé, même sur la majorité, mais si c'est dans quelques endroits, au contraire, ce sera cachère. D'accord? Nisdak, c'est qu'il a été fendu. C'est-à-dire, il s'est cassé, ça peut arriver, d'accord, imaginez qu'il s'est cassé, mais au point de toucher le cheder azera, l'endroit où il y a la pulpe, il atteint jusqu'à là-bas. Ça, c'est une idée qui est invalidée. Nikav vechaser kolchou. Il a eu un trou, mais un trou qui lui a fait ressortir un petit peu de sa quantité. Alors là, l'étrog, il est invalidé. On a l'opposé dans la suite de la Mishnah, où justement, on va voir que là-bas, c'est possible de faire. Si vous prenez une aiguille bien pointue, nette, vous la rentrez dans l'étrog, vous la ressortez tout de suite. Vous n'avez pas atteint le cheder azera, là où il y a la pulpe. Vous l'avez rentré juste à un petit centimètre et vous l'avez ressorti tel quel, sans que l'étrog ne manque quoi que ce soit. Ouais, parce que l'aiguille, quand elle rentre, elle pousse tout, elle retire, elle arrache rien. L'étrog, il reste caché. Si vous avez entré une aiguille avec une pointe un peu tordue, de manière que vous avez tiré un petit peu de la chair, donc le étrog est devenu manquant, et vous n'avez plus un étrog entier, vous avez 99,5% de l'étrog, c'est plus caché. D'accord? Donc là, ce que la Mishnah me dit,
Nikav, il a eu un trou, mais au point d'être chasser kolcho, de manquer un petit peu. Et le trog, il est invalidé. Par contre, Alta chazazit al miuto. C'est une chazazit al miuto. Cette petite verrue, cette maladie de peau du étrog, al miuto, sur un tout petit endroit. Ou bien, hein, je précise maintenant ce qu'il y avait écrit dans le Barthénora au début, qui me dit, je suis demandé de faire la majorité, ou même c'est pas la peine de faire la majorité. Même s'il y a trois points, de manière à ce que, quel que soit l'endroit où tu vas prendre le drogue, tu vas réussir à le voir. En pourcentage de la surface du drogue, c'est un tout petit pourcentage. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus un seul côté où vous pouvez tenir le drogue sans voir qu'il y a cette rhizite, cette maladie de peau. Le drogue aussi est invalidé. Là, on parle que c'est miouto, c'est sur un petit endroit que vous pouvez attraper le drogue de l'autre côté sans rien voir. Vous pouvez le montrer à tout le monde, il a l'air très beau. Donc là, c'est pas encore invalidé. De même aussi, Nital Uktso, si tu lui as pris sa queue, la partie avec laquelle il est rattaché à l'arbre, pas la petite pointe jolie du trog, mais l'autre côté qui est rattaché à l'arbre, là-bas vous pouvez en fait le couper quasiment entièrement, pas l'arracher entièrement, parce que si vous l'arrachez entièrement, vous allez nécessairement retirer une partie de sa peau aussi. Et si vous le coupez à ras, vous avez un trog où il n'y a plus la petite queue qui sort, mais il est coupé à ras, c'est encore kasher. Ça c'est Nital Uktso. Ou encore, Nikav Velo Chaser Kolchehu. Il a eu un trou sans qu'il soit diminué. Il est resté intact. Comme je dis, vous avez entré l'aiguille. L'aiguille, elle pousse tout et elle ressort sans rien arracher. Alors là, le trog, il est caché dans tous ces cas de figure. Autre halakha, le trog a couché pasoul. Alors, Kush, c'était un des fils de Kenaan, le petit-fils de Shem, de Ham, que concrètement, l'Afrique, ça s'appelle Eretz Kush. Ils sont de couleur là-bas. C'est les gens noirs. Et alors, Etrog Akushi, c'est un Etrog qui est noir. Mais, alors, la Mishnah me dit qu'il est invalidé. Je ne sais pas exactement qui c'est l'a eu comme Etrog, comment c'est possible qu'il pousse noir, apparemment. Et la Mishnah me précise, mais par contre, à Eretz Kush, justement, en Afrique, en Éthiopie, je ne sais pas où c'est, là-bas poussent des Etrogim qui ont une allure noire. Et bien, la Mishnah me dit, là-bas, c'est cachère, parce que c'est comme ça, les Etrog de Kush, c'est leur allure. C'est pas des... ils font pas défaut avec tout ce qui devait être. C'est un principe général qui véhicule en fait la plupart des psoulim du etrog, c'est qu'en fait, je suis demandé de prendre un etrog et pas quelque chose qui est devenu une créature différente du etrog. Un etrog qui a changé de tête, c'est plus un etrog. D'accord? Donc c'est pour ça que s'il est devenu, il a eu des taches, c'est plus un etrog normal, c'est un etrog malade, c'est plus un etrog classique. Donc si maintenant, donc si du coup, ton arbre il fait sortir des etrogs normaux, il t'a fait sortir un etrog tout noir, tu ne le touches pas. Tu peux pas le prendre. Par contre, le même etrog dans Eretz Kush, que tous les etrogs ils sortent avec. Cette tête-là, cette couleur-là, alors tu auras le droit de le prendre, d'accord? Autre halakha, c'est Vayarok Kekarati, celui qui est vert comme d'un poireau. Il est très très vert, très violemment vert. C'est pas le vert qui commence à devenir jaune. Alors Rabbi Meir Marchi, Rabbi Meir le valide malgré tout. Tandis que Rabbi Yehuda possède, Rabbi Yehuda va invalider ce etrog qui est vert Kekarati. La Mishnah retient que tous les psulim qu'on a, le partenaire rapporte, l'halakha est comme Rabbi Yehuda sur ça, donc il a invalidé. Et tous les psoulim qui ont été évoqués dans la Mishnah, ils sont invalidants, ils rendent invalides les trog pour le premier jour seulement, mais pour les autres jours, la plupart ils seront tolérés. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine d'atzlacha. Kol tov, salam.